70% des gens sont contre le port du voile intégral pour les femmes. Et pourtant, aucune loi n'a encore été votée pour l'interdire. Ce qui fait râler beaucoup de monde, à commencer par les associations de prévention routière, qui n'ont pas manqué de le rappeler, chiffres à l'appui, que les accidents se multipliaient. Car si les adeptes de la burqa sont autorisés à conduire, elles n'ont le droit de le faire que dans un véhicule lui aussi intégralement voilé. Ce qui, d'un point de vue de visibilité, pose un gros problème.